Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Moi je suis juste un gros golemon. Ça fait genre 4-5 minutes que je fais comme si je tournais une vidéo, sauf que j'avais pas lancé l'enregistrement. Super votre pote. Du coup, tout ce que je disais, waouh, je vais. Bon bref, les gars, merci pour tous vos retours déjà, parce que du coup j'ai pu passer, comme vous pouvez le voir, les tournois jeunes en. Ah oui, effectivement, là c'est déjà plus dur. En 3 minutes, et effectivement, je jouais avec le potentiel max. De mes joueurs, on me l'avait dit dans les commentaires, ça, donc merci, je sais plus exactement qui me l'a dit, mais merci à toi. Parce que du coup, c'est vrai que je me disais, putain, ils sont forts et tout, mes joueurs et tout. Bah, en fait, on jouait avec leur potentiel max, donc on jouait avec des joueurs à 94 de général, donc ouais, ça me semblait quand même bien fort. Mais en face aussi, du coup. En face aussi, du coup, on a que des joueurs trop nuls sur le terrain. Écoutez, au moins, c'est pas mal. Au moins, on sait à quoi s'attendre et on n'a pas l'impression. Oh, j'ai cru que ça faisait but. Oh, le gardien, il est si petit. Ouah, le gardien il est si petit les gars, c'est effrayant. Mais voilà, on m'a aussi précisé dans les commentaires que. Oh oui, c'est beau ça, et là tu leur donnes. Oh non, t'arrêtes pas au mid. Que les joueurs grandissaient bien. Donc ça c'est cool. Ça c'est une bonne info à prendre. Et là, je vous remercie pour tous vos retours parce que vous êtes nombreux à m'avoir proposé aussi des pays hein, dans lesquels on voyait les recruteurs. Il y a eu du Japon pour le projet Blue Lock, il y a eu. Aïe 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 aïe. Oh la lenteur. Il y a eu voilà, pas mal d'autres pays proposés. Donc on verra au moment où on aura fini nos missions. Et par contre c'est trop dur. Mais c'est trop dur les gars. En fait c'était plus facile avec des joueurs plus forts, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce que bon, il y avait au moins moyen de les déborder là, avec la vitesse et tout qu'ils ont. Il y a moyen de rien du tout. Absolument rien du tout. Donc en fait c'est ça qui me fait peur vu qu'on a des joueurs très nuls. J'ai peur que, en fait, je vais faire que des 0-0. On va que aller en but en or et en séance de pénalty. Au final, ce sera tout aussi long. Donc, c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir. C'est un peu chiant. On a réussi à la donner, là? C'est impossible. Ouais, bien joué, Amalainen. Allez, maintenant, sur le compte, là, il faudrait réussir à faire quelque chose. Là, tu fais une petite feinte. Ouah, il attaque les directs. Le gars est trop fort. Le gars est juste trop fort, en fait. Quel ballon, on est tous du même côté là. Ah bah ouais, c'est catastrophe. Ah bah là, c'est catastrophe, les gars. Ah là là, la catastrophe. Mais j'ai pas compris, on était tous du même côté. Du coup, aucune solution de passe. Et pressing. Ah bah peut-être que finalement. Je fais n'importe quoi. Allez, vas-y, toi, tu peux la prendre. Ouais. Donne-lui. Oui, c'est pas mal. Allez. Ouais, tu lui redonnes ici. Ah, c'était l'occasion d'égaliser, les gars. C'était l'occasion d'égaliser. Est-ce que le truc que je faisais, il va continuer de marcher là? Où je fais ça, ça. Ah bah oui, ça marche. Ok, on a les corners pour nous sauver, les gars. Ok, un partout. On n'est pas encore éliminé. Ah, j'ai cru, hein. Prendre un but à 30 secondes de la fin là. Enfin, 40, 50 secondes. Oula, il a fait nimp. Oh là là, il a fait nimp. On récupère. On récupère, on récupère. Let's go, ça rentre. Oh, j'ai hésité à tirer parce que l'angle était fermé. Let's go! Oh, le retour des jeunes! Le retour des jeunes! Mais là, au moins, on voit à quel point ils sont nuls à chier. Bon, après, oh, ils ont fait nimp. Après, notre équipe n'est pas meilleure. Bah, si, peut-être un petit peu, mais pas énormément. Hein. Ça, je vous le dis. On n'a que deux joueurs à 60 de général. Clairement, ça va se ressentir. Il ne faut pas prendre de but, les gars. On a 10 secondes, faut tenir 10 secondes. Non. Non. Ok, let's go. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Et c'est terminé. C'est une victoire de Newport County. Super, les gars. Super, super. Alors, on n'a pas tous les mêmes notes. Mais c'est pas grave. Mais on va enchaîner. Ah, et du coup, c'est rapide de fou, les gars. Ah, du coup, quand même, c'est beaucoup plus rapide. On va juste changer l'effectif. Là, je vais faire jouer quelques autres joueurs. Genre, je vais faire jouer Yashvili à la place de Léo, je pense. Qui j'ai envie de faire jouer aussi, je sais plus. Alors, le problème, c'est que je me rappelle plus de tous les. Je crois que Rodriguez avait un beau potentiel aussi. Hein. Je vais le faire jouer à la place de Martinez. Et il y avait aussi Da Silva qui était pas mal. Hein. Je vais le faire jouer à la place de Kinunen. Allez, on a une équipe un peu moins forte. En gardien, je vais mettre Goodwin. Voilà, on va changer, les gars. On fait tourner un petit peu. On joue contre notre Scounty. Allez, c'est parti. On va tester des nouveaux joueurs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'on va les sentir un peu plus fort? Oh, comment il est petit. Oh, il est tout petit. Allez, ah, dommage, le physique. Le physique, le physique, le physique. Ok. Alors, on va essayer de récupérer ce ballon rapidement.
Sauf que va récupérer les ballons avec des mecs qui ont 32 de défense. Mais Rodriguez, il est là. C'est beau ce que tu m'as fait, Rodriguez. Allez, en une touche. Allez, un petit Rodriguez. Est-ce qu'on peut trouver une petite solution de passe là? Attention, le pressing. Oula, j'ai peur. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais. Peur avec Rodriguez. Le problème, c'est que ça bouge pas beaucoup. Je vais là sur le côté avec Da Silva, Rodriguez, les deux Portugais. Et Kashvili. Non, c'est pas là que je veux la donner. Monsieur l'arbitre, enfin. Oh, j'ai cru que je récupérais. Mais il a pas mis le pied. Pourquoi ils mettent pas le pied quand je. Ah, si, ils le mettent, c'est juste qu'ils ont un temps de réaction de 800 millions d'années. Et ça, c'est bien embêtant. Bon, bref, les gars, ça va être dur. Hein, parce que là, en plus, ils vont faire tourner pendant 8 jours. On a eu un peu de réussite. Oula, il m'a eu avec l'accélération fatale. Ok, c'est récupéré. Allez, allez, allez sur le contre. Là, faudrait y aller. Sauf que je peux pas, voilà, via la vitesse, je peux pas vraiment les déborder. Aller sur le côté avec Hamalainen, le seul qui est resté sur la pelouse. On va redonner à Hamalainen. Allez, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Allez, Hamalainen. Allez, Hamalainen, faut trouver la bonne petite passe. Putain de merde. Il l'a pas trouvé la passe. Elle a par contre, maintenant, faut défendre, les gars, faut défendre. Ok, allez, allez, pressing sur le gardien, il va faire n'importe quoi. Ah, par contre, il fait 3m30. Bah ouais, il va prendre cette balle. Aïe, 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 la frappe direct, heureusement. C'est un mauvais choix de la part de nos adversaires. On va tout de suite lui donner dans l'axe ici, c'est pas mal. Voilà, pour Yashvili. Avec Hamalainen, lui, il a un peu plus d'expérience sur le terrain. Ah, je peux vraiment pas prendre un mec de vitesse hein, quand tu vois. Ah, lui, il a fait l'erreur. Il a fait l'erreur, je l'ai vu. Ah bah, tu vois, je peux pas prendre un mec de vitesse. Pourtant, il avait fait une petite erreur. Le problème, c'est qu'ils sont grands, les gars. Oh, il l'a pris de la tête, magnifique. Allez, Hamalainen. Allez, va te placer, va te placer, va te placer. Mais ouais, mais. Ah, dis-moi qu'il y a corner. Est-ce qu'on a la technique corner? Il y a... Si, il y a corner, ok. Est-ce que la technique corner va encore fonctionner? Hop. 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 Bon, et les gars, on a un truc un peu cheaté pour marquer à chaque fois sur corner. Tant mieux, parce que sinon, je crois qu'on ne gagnerait aucun match. Mince. Oh, je regardais le score. Je regardais le temps restant. Oh non, j'ai fait n'importe. Let's go, il a pas cadré. Merci frérot. Merci de tout mon cœur. Je te remercie. Ah oui, dans l'axe. Oh là 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 là, la gueule de la passe. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Comment la passe était nulle à chier. Ouais, ça j'aime bien ce petit 1-2, même s'il n'est pas exceptionnel. Est-ce que tu peux réussir à. Ouais, mais regarde comment il me suit, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Attention, pas faire d'erreur ici. Bien joué Da Silva qui récupère. Non, c'est quoi cette passe? Il restait 10 secondes, fallait le conserver ce ballon. Ouais, faut leur mettre la pression, faut pas qu'ils puissent avoir d'occasion, il reste 2 secondes. Ok, 1-0 les gars, ça passe, c'est une victoire. Let's go, c'est Yashvili qui a eu la meilleure note. Le prochain tour, on y va. On y va directement, et là, on va peut-être un peu rechanger l'effectif. Qui je peux essayer de faire jouer? Walker qui fait 1m90. Allez, je tente de faire jouer Walker. On avait qui d'autre? On va peut-être refaire jouer Martinez. Je crois qu'il avait perdu un peu de potentiel Martinez. C'est vrai que c'était un peu chiant. Je vais refaire jouer Léo, ça c'est sûr. Je vais remettre Stock. Alors pas ici. Je vais remettre Stock dans les cages. Et Kinunen. Kinunen, il est pas mal. Voilà, on va essayer Yashvili. On va y aller avec cette équipe-là. On va voir un petit peu ce que ça donne, les gars, pour la finale. La finale, tranquillement. La finale qui devrait, je l'espère, bien se passer. Allez, direct. Ah, le problème, c'est qu'on touche le ballon en premier, mais après, on prend un coup de physique et c'est fini. Peut-être que je change ma stratégie. Oh non! Heureusement, il tire à côté parce que là, c'était pas mérité. Hein. Il y avait une bonne défense. Allez Léo, toi t'es un petit peu rapide. Hein. Léo, toi tu peux faire la différence. Je crois qu'il est hors jeu. Hein. Enfin, dans l'idée, c'était pas trop mal tenté, mais position d'hors jeu. Ok, allez. Allez les gars, faut qu'on arrive à obtenir un corner, faut qu'on arrive à faire un truc comme ça. Et tout ira bien. Ouais, voilà, mais alors la pression. Voilà, ils font n'importe quoi avec le gardien. Là, il s'en sort bien, le gardien. Ils s'en sortent même très bien au final. Au final, ils s'en sortent bien. Petit hors-jeu, on récupère. Parfait.
Parfait, parfait, parfait. Allez, hop, on décale jusque là-bas. Avec Léo. Le problème, c'est que même faire des gestes techniques, bon. Je suis pas sûr que ça marche un peu. Voir si je fais celui-là. Ouais, je l'ai pas fait dans le bon sens. Ok, c'est pas mal ça avec Yashvili. Yashvili, le gros pressing évidemment. On donne à Léo. Léo, est-ce qu'il peut prendre de vitesse? Non. Ah, c'est trop dur, les gars, en attaque placée, je vous jure. C'est trop dur. Et voilà, tu veux tenter une passe pour ouvrir un petit peu, mais genre, il met jamais le pied, c'est une folie. Y a quoi? Ah, il va en jeu là. Comment il peut y avoir en jeu? J'étais totalement derrière le joueur. Je sais pas. Je sais pas, mais je prends. Ou alors, il faut essayer de centrer, parce que Walker est assez grand. 1m90, mais va réussir à centrer là. Va réussir à centrer là. Va réussir. Avec des mecs qui te collent au fiac. Et Walker, vas-y. Oh là là, il a tenté la talonnade. Elle était pas très fluide cette talonnade. Ah, c'est problématique, les gars. C'est problématique comment on les gaze. Ils ont vraiment toujours des joueurs qui font 12m30. Alors, qu'est-ce qu'il fait le gardien là? Wesh, c'est quoi cette singerie? Non, mais ils vont jouer à ça longtemps ou pas? Ah, ils nous donnent un corner? Ah, bah, je prends. Ah, bah, je prends, c'est peut-être notre occasion de marquer, les gars. Ah, ça a pas marché là, en plus, on prend un contre. Aïe, 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 aïe. Ah, comme quoi, c'est pas du 100% non plus. C'est pas du 100%. Allez, 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 il faut défendre. Voilà, c'est récupéré. Dans l'axe, je t'ai vu. Je t'ai vu, Walker. Allez, Walker. Il faut me la finir, celle-là, Walker. Let's go! Le contre-assassin et Walker qui marque des points. Le grand Walker. Il me met une petite pointe de vitesse sympa, là, quand même. Hein. Je sais plus s'il était très rapide ou pas. Mais c'était sympathique. Ça fait 1-0 dans cette finale. À 38 secondes de la fin. Autant vous dire que c'est plutôt pas mal. Allez, hein, on leur met la pression. Tu quoi Comment il court lui? Non mais vraiment, Léo. Léo, t'as une façon de courir assez particulière, on dira. Voilà, gardien qui panique, on va récupérer le ballon. Ça sent la victoire. Oh les gars, partez pas tous là. Voilà, restez. On va essayer de conserver le ballon jusqu'à la fin. Et on va juste être en conservation de ballon. On va savourer notre victoire. Et ce sera déjà très bien. Voilà, on va pas chercher plus, les gars. Vamos! Vamos, vamos! C'est une belle victoire. Bon, on a tous eu des notes un peu éclatax. En même temps, quand tu gagnes pas 8-0, bah, tu comprends que c'est forcément un peu plus compliqué. Mais on a remporté le tournoi. Et maintenant, alors non. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement avancer dans le temps. Avancer dans le temps et aller se prendre un ou deux rapports. Ce sera plutôt pas mal. Voilà, ça va, ça nous a pris un petit peu moins d'un quart d'heure pour faire les matchs. En soi, ça va. Après, on les a tous gagnés, c'est vrai. Jour de match, c'est parti. Simulation rapide. Comme d'habitude. Parfait. On a perdu. Génial. Génial. Mais comme on l'a dit, la première saison, voire même les deux premières saisons, je pense que les résultats nous importent peu. Au moins tout est bien. Au moins tout est bien derrière et tout ira bien derrière. Allez hop, on enchaîne, jour de match. Tac, simulation rapide. On fait deux partout. Ça va, au moins on n'a pas perdu, c'est déjà ça. Puis je crois qu'on n'est pas non plus complètement à la ramasse en championnat. Hein. On est 11e, donc ça va. Ça va les gars. On est 11e, tout va bien. Tout va bien par contre. Ah bah oui, les matchs s'enchaînent, c'est le Boxing Day. Je crois que même dans les petits championnats, ça enchaîne les matchs, même au moment de Noël, de Nouvel An, tout ça. Donc ouais, victoire contre Doncaster. Parfait. Parfait, les gars. On peut être très satisfait. Très satisfait de cette victoire. On continue. On attend les rapports, évidemment. Allez, hop, prochain match contre M14. Ça s'enchaîne vite, quand même, les matchs, là. Hein. Commencer à avoir de la fatigue, ouais. Il y a de la fatigue. Mais pour l'instant, je dis, les gars, première année, je ne gère pas l'effectif. Première année, je ne me concentre que sur les cracks. D'ailleurs, on a avancé de quelques jours. Je devrais peut-être aller voir s'il n'y a pas des évolutions de potentiel. Tu vois, par exemple. Tu vois, par exemple, Stokes, qui n'est plus qu'à 70-90. Là où Goodwin
Et t'as 79-94. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de potentiel, du coup, bon, je pense que Hamalainen a un énorme potentiel. Bon, c'est dommage, il n'a pas de playstyle. Mais lui a un énorme potentiel. Bah, c'est encore mieux pour Kinnunen. Hein. Kinnunen, lui, c'est 92-94. En plus, il a, bon, il a 2 ans de plus, mais il a 10 de général de plus. On a Harvey aussi. Harvey qui a un gros potentiel, Harvey. Faudra le tester du coup. Harvey a testé. Walker a un gros potentiel. Pareil pour Louis Hull. Bon, on testera les deux sur le prochain tournoi jeune. Harvey et Hull, faut les tester. Clarkson, c'est un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous, mais à voir. Sauf que Hull a 2 playstyles. Ouais. 3 playstyles pour Harvey quand même. 3 playstyles, c'est pas mal. Hein. Finesse, intuition et aérial. C'est pas mal. Et du coup, on va pouvoir commencer. Malheureusement, Austin. J'ai libéré le joueur, il va falloir faire de la place. Rodriguez. Ah, mon petit Rodriguez. Je suis désolé, hein. C'est fini pour toi. Ouais, presque Yachvili et Stocks aussi, du coup. Ouais, je vais libérer de la place, les gars. Je vais libérer de la place, Yachvili. Ce sera non aussi, Martinez. Je vais le garder encore parce que lui, il a 4 playstyle. Ça peut quand même être un bon joueur, hein. Mais lui me plaît bien. Mais il va plus évoluer, hein. On voit que le potentiel va plus évoluer. Et sinon, bon, on a pas mal de buteurs au final. Hein. On va peut-être falloir chercher d'autres postes. Je vais toujours me gourer ici, les gars. Mais il y a un autre truc que je voulais voir, moi, c'est par rapport au développement. Gardien libéraux, progression 43 semaines. 43 semaines, là? Ah ouais, non, ok, non. Ouais. Ah, on n'a pas les bons chiffres aussi. On n'a pas les bons chiffres, les gars. 23 semaines. 19, mais c'est pas les bons chiffres, ça aussi. C'est 19 qui passe à 11. Donc, ouais, c'est un peu technique. C'est un peu technique tout ça. Qu'est-ce qu'on peut. C'est plutôt ici que j'aimerais regarder du coup. Donc, lui, 8 semaines, 11 semaines pour Kinnunen. On peut peut-être lui mettre autre chose. Parce qu'il y a autre chose de plus rapide. Ah, là, il prend du geste technique, tu vois. Ah, là, il prend du geste technique. Allez, on va lui mettre ça. Hamalainen. Qui lui est sur du 5 semaines, on a 3 semaines en stopper. Bon, geste technique en soi, on s'en fout. Donc, je vais le mettre en stopper. Allez, stopper, ce sera bien. Lui, dans 2 semaines, il est bon. Dans 1 semaine, si je le mets meneur de jeu. Allez, hop, meneur de jeu. Da Silva, est-ce qu'on a mieux? 5 semaines ici, en faux numéro 9. Le petit Mikaledze, que j'ai pas encore testé. Voilà, bon, on va le laisser en attaquant intérieur. Lui, on va le laisser aussi en renard. Lui, par contre, tu vois, en renard, 13 semaines maintenant. Ah, tout est un petit peu long maintenant pour lui, hein. Tout est un petit peu long. Là, c'est 11 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Ok. Voilà, on a un peu fait les plans de développement. Et maintenant, on va gentiment aller vers un prochain rapport qui devrait plus trop tarder, là. On a des rapports qui devraient arriver dans pas trop longtemps. Je l'espère, je l'espère, je l'espère, je l'espère. C'est vrai que j'ai pas regardé toutes les tâches. Et voilà, on les a, les gars. Ou depuis un petit peu plus longtemps. On va terminer avec ça, je pense. On va terminer avec ça. Du coup, du côté de la Géorgie, est-ce qu'on a du lourd? Alors, bon, le potentiel est exécrable. Donc, c'est rejeter le joueur. Le potentiel n'est pas fou. Le potentiel est pas mal. Encore un gaucher. C'est quoi comme poste? C'est milieu gauche. Ouais, il peut être intéressant, Capanadze. On va recruter. Lui, on va pas recruter. Lui, on ne va pas recruter. Et du côté du Portugal. Côté du Portugal, potentiel pas très intéressant. Là non plus. Il y a beaucoup de playstyle, mais pas de potentiel. Là non plus. Là non plus. Et là non plus. Bah, écoutez, au Portugal, il y a eu rien du tout. Donc on peut terminer en allant voir un petit peu et faire le plan de développement. Du nouveau géorgien qui était donc c'était pas Mikaledze, c'était Capanadze. Capanadze, bon, il a un playstyle seulement, c'est dead ball. Ça peut être notre tireur de coup franc. Hein. On va juste voir un peu ce qu'on peut lui mettre. 3 semaines, sachant qu'il a déjà 4 étoiles geste technique. On va lui mettre attaquant intérieur, les gars. Ça me paraît bien, ça me paraît pas trop mal. Et voilà pour cet épisode, les amis. Je pense qu'on peut se laisser ici.
Rendez-vous. Il y a déjà un nouveau tournage. Bon, on le fera plus tard, hein. Soit dans le prochain épisode, soit dans celui d'après encore. Mais rendez-vous très bientôt pour la suite de cette carrière. Moi, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens.